Vanina. J'adore. J'adore. Cette presta, elle est magnifique. Vraiment. J'ai rarement vu Zahira comme ça. Et pourquoi, à ton avis? Zou. Elle se met à nu, là. Mais vraiment. Elle se met totalement à nu. Il y a un truc dans son regard. La voix est là, mais le regard, il est quand même particulier, là, sur cette presta. Elle donne tout. Romain ? Ouais, je partage la vie. Et c'est plein de détente, tension, et du coup, ça me tient tout le long, quoi. Bah, surtout, elle joue pas, quoi, l'émotion. Elle est dedans. Elle est complètement dedans. Elle ne joue pas du tout. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai senti dès le départ. C'est comme si tu t'étais posé un défi, en fait. J'ai eu l'impression. Enfin, j'aimerais bien que t'en parles, toi, d'abord. Après, je te donnerai mon impression. Ouais, j'étais vraiment dans la chanson, pour le coup. Bon, parce que c'est vraiment une belle chanson et que le texte, il est vraiment beau. Et que je le ressens aussi. Donc, c'était plus facile d'être dedans, en fait. Quand je ressens vraiment le texte, que quand c'est pas nous et que c'est juste une interprétation, c'est quand même un petit peu difficile. Et là, pour le coup, comme je le ressentais, voilà, c'était pas trop... Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de... C'était simple pour moi. C'est ça, c'est ce côté non-calcul, moi, que je lis vraiment quand j'ai regardé cette prestation. Bon, déjà, j'ai eu cette impression sur le Prime. Mais quand j'ai regardé la prestation hier soir, quand je faisais le débrief, je me disais, ce qui transparaît, c'est vraiment ce vouloir. Alors, je ne sais pas si tu es conscient ou pas, mais vouloir vraiment se laisser envahir tout seul. Enfin, laisser les choses venir, en fait. Étant en accord avec le texte, étant en accord avec la beauté du texte, ou le plaisir en tout cas de le chanter, ça suffisait à la nourrir. Et tu t'es laissé nourrir, en fait. Et du coup, la progression, elle se fait toute seule. Le moment où tu te plies un peu en deux, où tu es derrière, tu vois, cette émotion-là, c'est logique, c'est pas quelque chose que tu nous plaques, tu vois. Et c'est très important de pas plaquer les choses et de les laisser monter. Et si c'était pas venu, tu l'aurais pas fait. C'est ça qui m'intéresse. Bon, et alors, est-ce que ça t'a déstabilisé de voir d'un coup à côté de toi Daniel et la danseuse? Non, ça m'a aidé. Enfin, de savoir qu'il était là. Tu n'avais pas envie de lui déchirer la... Si. Non, parce que je savais très bien qu'il allait... T'as pas envie de la défigurer, la petite bombe qui était dans les bras de ton blondinet? Non, parce que regarde la fin. J'ai même pas bougé, moi. C'est lui qui vient. Non, j'ai même pas bougé. Lui, il faisait des tourbillons, des vagues, et je la porte. Déjà, il regarde. Moi, sans bouger, j'ai eu le temps de faire tout mon truc et tout. Et sans bouger, rien. Non, ça m'a beaucoup, franchement, ça me rassurait de savoir qu'il était là.